C'est parti l'équipe des Bleus. Ouais, j'en ai mis sur moi aussi. Nous on a peu de chauffeurs. C'est rigolade. À 18h, vous n'êtes pas embêtés comme on est embêtés. Et pourtant, si vous avez connu la Camargue, à 18h, c'est l'enfer. Bah oui, ah, on a bien d'accord. Le matin, le soir, tout le temps. Ça fait combien de temps vous êtes Ça fait combien de jours vous êtes là? Et alors, vous avez attrapé quelque chose? Non, j'appelle des petits. Pour essayer le roi. Après, c'est juste pour avoir de la mort. Bonne promenade et vous avez un excellent. Merci. Merci. Mais il est pas cher. Il vous laisse passer. Et on n'a pas payé. Et il est né ici, il est agriculteur ici. Et quand l'IBSN est arrivé, ils ont remis une taxe au bout du jour qui date de Napoléon qui n'a jamais été appliquée par la DDP. On voit pas. Ah non, on voit pas. Comment on fait? Rappelez à la rescousse. Au secours! Ça y est. Bravo! Prenez des photos pour les familles. Pour la reconnaissance. Les rescapés. La reconnaissance, ils ne vont pas vous reconnaître. Il m'a fait peur. Donc là, on a un gaz. Ce gaz vient des feuilles. Les gens s'imaginent que quand on pioche, on trouve des poches de gaz. Non. On ne trouve que des feuilles. Ah ouais, d'accord. C'est des feuilles qui font sort en dessous. C'est des milliers de feuilles qui ont passé les voilà. Feuilles. Ah ouais. Quand les feuilles vont tomber dans l'eau durant l'hiver, avec l'eau, elles vont s'alourdir et descendre au fond. Ensuite, les courants amènent de la vase. La vase enveloppe les feuilles et les feuilles vont courir. Mais elles ne vont courir que de l'intérieur. Ce sont simplement des bactéries méthanogènes qui mangent l'intérieur de la feuille, c'est-à-dire la partie molle. Et comme le gaz est expansif, il va décoller les deux faces de la feuille. À partir de là, la feuille gonfle. Ça veut dire que dans la vase, ici, on a des feuilles. Et quand on écrase les feuilles, ben voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est du méthane. C'est un gaz qui a été codifié en 1776 par un physicien italien qui s'appelle Alessandro Volta. On sait que ce gaz est plus léger clair, incolore et inodore. Quand vous sentez quelque chose, il y a deux possibilités. Ou c'est la vase qui sent, ou c'est le guide qui s'est brûlé la main. Ça sent le cochon grillé. Thank you.
Par les escaliers qui sont dans la cave à sel, et ces escaliers vous amènent directement ici. D'accord. Vous pourrez accéder au site par ici en fait. Ah, oui. Plutôt que de faire le grand oui, par le oui, chemin. Oui, oui. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Je savais pas que vous preniez le cas oui, à cas faire, c'est bon. Merci. Voilà. Merci. Bah, de rien, et bah, bonne visite. Mais je pense qu'on arrivera à finir la partie. On n'a pas eu Yvon et pas Sébastien. C'est le principal en plus. Yvon devant. C'est Georgie.